Non mais puis quoi encore? Danny, il pense réellement que je pense qu'à lui? Bon, c'est un petit peu la vérité, mais des fois, il en fait des tonnes. Ah là là, il faut tout de suite que je me retire ces idées de la tête. Bref, en parlant de Danny, il serait peut-être temps que Stardance puisse évoluer. Je vais en parler avec Danny et on verra bien ce qu'il en pense. Ça m'étonnerait qu'il refuse, mais bon, on va quand même essayer. Il faut vraiment que j'arrête de me voiler la face. J'aime Danny et ça, personne ne peut rien y changer. Hey, salut à tous, c'est Suzy, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 2 de Stardance. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour tourner cette vidéo. Alors comme vous pouvez le voir, donc la maison de notre chère Sierra, elle a évolué. Donc en gros, l'argent qu'elle avait gagné à l'épisode précédent, donc voilà, ça l'a permis de décorer sa maison un petit peu mieux. Je vais vous faire un petit room tour. Je voulais vous dire aussi qu'à partir de maintenant, le contenu que je vais poster, ce sera un peu plus par rapport à ma communauté noire. Parce que vous savez, moi je suis une youtubeuse noire. Et je vois que par rapport aux Sims, il n'y a pas beaucoup de youtubeurs qui met en avant la communauté noire, tu vois. Enfin bref, vous avez compris ce que je veux dire. Bref, trêve de blabla, on se retrouve sur les Sims. Bon, comme vous le voyez, voilà, voilà la chambre de Sierra. Franchement, j'aime trop sa chambre. J'aime trop aussi sa tenue. Je vais vous ramener aussi dans le CUS tout à l'heure pour vous montrer un peu ses tenues que j'ai choisi de lui mettre. En tout cas, moi, j'aime trop. En plus, sa coupe de cheveux, ça met en valeur les cheveux crépus et tout. D'ailleurs, j'avais oublié qu'il faut que je change d'ordinateur parce que celui-là, il me plaît pas. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Je me demande si je prends pas un Mac, si je prends pas un iMac. Ah oui, parce que maintenant, j'ai téléchargé. J'ai beaucoup de CC. Franchement, j'arrive pas à jouer sans CC correctement en fait. Donc voilà, je pense que je vais plutôt lui prendre un MacBook. Hein. Ouais, je pense que je vais faire ça. Hein. Bon, comme vous le voyez là, juste là, nous avons la répète bientôt qui aura lieu. Je crois qu'elle aura lieu vers 17h, 18h30 par là. Ah oui, j'allais oublier les gens. J'espère que le machinima il vous a plu. Moi en tout cas, il m'a trop plu. Ça nous dit un petit peu plus sur la vie de notre Sierra. Donc voilà, allez hop, on va passer au room tour. Donc ici, nous avons l'entrée de chez Sierra et tout. Il y a le petit thermostat juste là. Nous avons la salle de bain avec toilette. Bon, j'ai pas fini, mais elle finira par s'améliorer. Ensuite, il y a le petit coin douche. Franchement, c'est un CC. Enfin, tout ce que vous voyez là, c'est des CC. Et le plus joli que je trouve, ben c'est le salon. Franchement, je trouve qu'il lui va plutôt pas mal à Sierra, ce genre de salon. Bon, il y a encore des choses à améliorer, mais bon, ça, on le fera au fur et à mesure qu'on aura de l'argent, etc. Donc voilà, comme vous voyez, il y a pas mal de voilà, de petits tableaux qui représentent des personnes noires comme moi, etc. Comme là aussi, les bras noirs, etc. Je sais plus c'est qui a fait ce tableau-là, mais bon. En tout cas, je vais essayer de mettre tous les noms de créateurs de CC en barre d'informations. Si vous voyez que je ne l'ai pas mis, ça veut dire que j'ai oublié le nom. Je vais faire tout mon possible pour m'en rappeler. Donc ici, comme vous voyez, il y a la cuisine, kitchen. Donc voilà maintenant à quoi ressemble la cuisine. Cuisine, kitchenette, etc., etc. Ensuite, ici, nous avons la buanderie que je n'ai pas fini d'aménager. Tout ce qui est là, ici, c'est des CC. Et voilà. Mais ça, franchement, j'aime trop la chambre de Sierra. Et c'est trop. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Oula, elle devait aller au travail. Elle. À chaque fois, j'oublie d'aller au travail avec elle. Elle va mettre sa vieille tenue hideuse là. Non mais franchement faut que je change cette tenue de travail là. Voilà, elle a gagné 46 simflouz. Bon, tu vas te changer tout de suite. Ça me plaît pas cette tenue. Cela fait combien de temps? Sierra ne peut pas s'empêcher de demander si cette carte est faite pour elle. Une chose est sûre, elle a besoin d'un peu de changement, n'est-ce pas? Là, je vois qu'il faut mettre à jour son statut, etc. Donc, c'est ce qu'elle va faire. Et je pense que juste après, elle va publier une photo. Elle fait un peu, voilà, ses démarches pour son travail. Franchement, les gens, n'hésitez pas à me donner des retours par rapport à ce let's play. Franchement, ça me tient vraiment à cœur. Elle a gagné 15 abonnés. Là, elle met sa petite story en ligne. Mais regardez-la comme elle est trop cute!
Elle est trop belle, franchement. Oh, j'adore. Donc, on va, écoutez, poster un statut par rapport à la nouvelle tenue. On va taguer, comment dire, Dani. Parce que, en fait, vous avez vu dans le machinima d'intro, elle a pensé que pour le groupe, ce serait bien qu'il se développe un peu plus que de rester seulement au Tiekar. Elle veut, en gros, être connue. Elle veut faire en sorte que le groupe soit connu à l'international. Donc, voilà, c'est un petit peu compliqué. Donc, elle a besoin de parler avec Dani. Et comme vous le voyez, ici, il y a un peu de rose. C'est un petit peu normal. Oui, Ciara est l'amoureuse de Dani, qui est son meilleur ami. Oui, elle est amoureuse et bref, c'est la seule chose que moi j'ai à vous dire. Vous verrez au fur et à mesure. J'ai pas envie de vous spoiler. Donc, elle va envoyer un message amical. Voilà, je vais vous laisser un peu avec le machinima de milieu et vous me direz ce que vous en pensez après. J'ai passé toute l'après-midi à parler de Starden sur les réseaux sociaux. Les gens ont pas mal aimé. Il y a eu pas mal de bons retours. Mais il y avait quelque chose qui pesait dans mon cœur. Et cette chose-là, c'était Dani. Pourquoi il a fallu qu'il sorte avec elle? Et non avec moi. Il faut vraiment que je le voie aujourd'hui. Je vais trouver un prétexte par rapport au groupe. Tu vas bien? Hey bébé, ouais je vais bien et toi? Ouais je vais bien, t'inquiète. J'étais juste venu te dire que j'allais capter Clara au Bex. Elle me dit que c'est urgent genre. Et pourquoi vous avez besoin de vous voir au Bex? Enfin, non, pourquoi elle a besoin de te voir au Bex genre? Elle ne peut pas venir à la maison ici pour te parler du groupe? Elle est chelou. Oh, mais toi aussi arrête avec ta jolie mal placée là. Ciara n'est qu'une simple amie wesh. Arrête de te faire des films. Les mons, on se connaît depuis petit wesh. Je suis pas jalouse Dani. Mais je comprends pas pourquoi elle a besoin de te voir en urgence, sachant qu'on vient à un maître. Elle comprend pas que t'es mon mec, celle-là, ou quoi? Me tombe pas sur les côtes comme ça. Ciara, c'est juste ma bad pote, c'est tout. On est bien là, et toi, tu gâches tout encore. Vas-y, me prends pas la tête, ok? Arrête de te faire des films. Ciara, c'est ma best. Il se passera jamais rien entre elle et moi. Allez, fais-moi un câlin, s'il te plaît. Et vas-y, flemme, je veux pas. Va retrouver ta chérie là-bas. De toute façon, lorsqu'il s'agit de ta petite chérie Ciara, t'es toujours là à la défendre. Et moi, tu me rabaisses à chaque fois face à elle. Bref, vas-y, je vais au café. À ce soir, poupée, je t'aime. Pourquoi il a su à la lettre comme ça? C'est comme s'il était sous emprise. Il arrive jamais à dire non. Genre, je sais pas, désolé, ma femme pourrait jamais accepter ça ou pourrait pas apprécier. Non, il arrive jamais à dire non. Putain, c'est quand même pas compliqué, merde. J'en ai marre de continuer cette teubée là. Faire semblant qu'elle est là, ça doit cesser. Bonjour madame, désolé pour le retard. Tu connais Marakli. Elle n'aime pas me savoir loin d'elle et surtout en présence d'autres filles. Ok, ben, je t'ai pris à manger. Ah, si, mère. En plus, j'avais oublié de manger ce matin. Bref, t'avais quoi de si urgent à me dire? Viens en deux spies car je dois aller au taf après. Ouais, c'est bon, deux secondes, j'en viens. Si je t'ai fait venir ici, c'est parce qu'en fait, je voulais te parler de Stardance. Je pense qu'il est temps que notre groupe puisse évoluer. Hey, t'es sérieuse là? Tu pouvais me le dire au tel, wesh, t'abuses gros. En plus, tu penses réellement que c'est en postant des vidéos de nous en train de danser qu'on va nous remarquer? MDR. Non mais arrête un peu, directement t'es pessimiste. Tu peux pas croire en nous et me faire confiance? On est totalement prêts là. Dani, arrête de t'inquiéter. Bon, admettons que tu as raison. Si on nous remarque, qui va représenter notre groupe? Je pense qu'on est prêt pour ça. Et les personnes qui vont gérer le groupe, c'est toi et moi. C'est logique, non? T'inquiète pas, j'ai quelqu'un dans le milieu qui pourrait nous aider. Ok, j'en parlerai avec le reste du groupe. Mais à mon humble avis, c'est encore trop tôt. Notre groupe n'est pas encore assez solide pour subir la pression des réseaux sociaux. On est mieux au tiers-quart pour le moment. Mais non, Dani. T'inquiète pas, fais-moi confiance, j'ai quelqu'un dans le milieu qui pourrait nous aider. Bon, ok madame, à vos ordres. Vas-y, viens, fais une petite photo vite fait, non? Ouais, si tu veux. Mais gros, le passe pas sur Insta, hein, sinon ma meuf va me buter, wesh. Hey, pardon. Bon, vas-y, je bouge, je vais arriver en retard sinon. À soir, ce. Au revoir, beau gosse. En fait, j'ai trouvé une bague dans le sac de Monique. Je crois qu'elle va me demander en mariage. Je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je devrais répondre, oui ou non? Moi, je ne sais pas parce que moi, j'ai pas de relation avec ma mère. Ça matche pas trop. Donc, je pense que tu devrais décider
toi-même. C'est pas à moi de dire ce que tu dois faire, c'est toi qui décides. Ciara, elle nous prépare quelque chose de mauvais. C'est la seule chose que j'ai à vous dire. Elle nous prépare quelque chose de mauvais. Et par rapport à Angie, vous avez vu aussi, j'ai changé aussi sa face et tout ça. J'ai fait en sorte qu'elle soit un peu plus noire, etc. J'espère que ça va pas vous déranger. Mais Angie, c'est une fille qui est extrêmement jalouse, vraiment. Elle supporte pas que son mec va voir des autres meufs, quoi. Bref, là, on va se faire un petit truc à manger. J'ai téléchargé un mode pour faire en sorte qu'il y a plus de nourriture. Je vous mettrai le lien de ce mode en barre d'infos. Comme ça, si vous voulez télécharger des recettes, etc., pourquoi pas. Allez, hop, un petit sandwich au concombre. C'est parti. Faut qu'on se dépêche parce que bientôt, ça va être l'heure de la répétition. Il y a un truc que j'arrive pas à faire. C'est genre, je voulais vous présenter les types de danse du mode que j'utilise pour faire le mode en groupe, danser en hip-hop avec le groupe. Mais il se trouve que je ne peux pas, en fait. Je sais pas si c'est parce que ça bug et que ça ne fonctionne pas avec moi. Il y a des choses que je pourrais pas vous montrer. Mais bon, c'est pas grave. Mais je vous renvoie à la vidéo de Enora qui, elle, montre en détail ce que ce mode rapporter à votre gameplay, tout simplement. Là, je pense que ça va être l'heure de partir à la répétition. C'est ce que je vais faire tout de suite. Ça y est, on est arrivé à la salle de danse. Oula, regardez-moi Angie là, regardez-moi la tenue qu'elle s'est mise. Elle s'est dit, bon, allez, hop, One life, m'en fous des jugements et tout et tout. Oh, coucou Madison. Pour ceux qui ne savent pas, je fais aussi un let's play avec cette jeune fille qui est là. Donc, je vous le mets dans le petit pour que vous puissiez aller le voir, au cas où si vous ne l'avez pas encore vu. Non, mais franchement, Angie, tu pouvais pas manger après la répétition. Bon, écoutez, je les mets en tenue et après, ils vont démarrer la répétition. Bon, ça y est les gens, je les ai tous mis en tenue. Ils vont commencer, à danser, quoi, tout simplement. Allez, je vous laisse au spectacle. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Mais la quoi, reste avec elle, putain. Bon, je me barre, c'est mieux parce que sinon je vais tous les buter. Mais cette meuf me sort par le trou de cul, je vais me la faire. Je vais me la faire, je vais la niquer. Elle me sort par le trou du cul, je vais me la faire. Angie, pourquoi t'es partie? Et pourquoi tu me regardes mal depuis tout à l'heure? Tu oses me dire ce qui va pas? Arrête de faire semblant et arrête de coller mon mec. J'espère que tu as bien compris. Hé, tu pousses qui comme ça? Wesh, t'es sérieuse toi? Pourquoi tu m'agresses comme ça? Et je parle à qui je veux, ok? Celle-là de me CP comme ça. Non mais attends, elle sait pas à qui elle parle, elle. Elle va voir ce que je vais lui montrer. Bon, voilà les gens, la répétition, elle a pris fin. Je pense que vous avez pu comprendre que voilà, que Ciara avec Angie se sont expliqués. Donc en gros, Angie, elle avait tellement la rage de voir que Dani et Ciara puissent se parler et tout, alors que de base, en fait, la répétition, c'est fait pour danser, mais eux, ils passent plutôt leur temps à parler, quoi, à communiquer, et ça plaît pas à Angie. Donc Angie, voilà, elle est sortie parce qu'elle en pouvait plus, elle voulait pas faire une scène devant les plus petits et tout. Donc après, Ciara, elle a vu que voilà, il y avait une mauvaise atmosphère, pardon, et du coup, elle a suivi, quoi, du genre, et voilà, quoi, elle s'est expliquée avec Angie et tout. Angie l'a fait part de ce qu'elle ressentait, qu'en gros, en fait, elle aimait pas, quoi, tout simplement, et en fait, voilà, son amitié est par défaut. En gros, elle lui a dit que voilà, je te parle parce que mon gars, voilà, quoi, t'es son meilleur pote, mais il y a des limites, faut pas oublier que moi, je suis sa meuf et tout. C'est pas normal qu'il puisse passer plus de temps avec, enfin, en gros, avec Angie. Et en gros, Ciara, elle a mal pris.
Voilà, elle s'est embrouillée avec elle. Elle a dit, ouais, mais tu te prends pour qui? T'as pas menacé comme ça, t'as pas à me dire ce que je dois faire, si je dois parler à Dani ou pas et tout. Dani, il a un grand garçon, il sait ce qu'il fait et t'as pas à le priver de mon amitié, etc. D'autant plus que vous savez que Dani, il sait pas encore que Ciara l'aime. Donc voilà, c'est un secret qu'elle garde que pour elle pour le moment. Allez, on retourne sur le jeu. J'ai oublié de faire rentrer tout le monde chez soi. Bon, bref, je le ferai un peu plus tard. Donc je disais, la putchette, vraiment, elle n'en peut plus, quoi. Elle est vénère, elle se dit, ouais, mais elle se prend pour qui, elle, là, Senji? C'est mon pote, on se connaît depuis tout petit et tout, c'est que de l'amitié. De l'amitié, si on peut appeler ça de l'amitié, hein. On sait que Ciara, elle est amoureuse de Dani, mais lui, il ne sait pas encore. Et Andy, elle se doute bien de quelque chose, elle dit, c'est pas normal. Où est-ce que tu vas? Tu vas te prendre un verre d'eau, vas-y, bois de l'eau fraîche, ça va te calmer. Donc je disais, oui, voilà, Andy, elle se pose des questions, elle se dit, mais c'est pas normal que ben, Ciara soit tout le temps derrière son gars et tout ça et tout ça. Bon, je pense qu'Andy, elle a compris que voilà, que Ciara, elle est amoureuse. Voilà, c'est pété, quoi. Il n'y a que Dani qui l'aperçoit pas, quoi, vraiment. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Bon, elle va aller faire un petit pissou, ensuite après, elle va aller se laver. Et puis après, je pense qu'on va se laisser là pour cette... Ouais, je pense que là, c'est bon, on a suffisamment avancé. Je pense que je vais vous laisser au machinima de fin pour que vous puissiez comprendre ce qui va se passer juste après. Voilà, elle fait ça. Oula, pourquoi elle se lave en pyjama, là? Je comprends pas. Elle finit sa petite toilette. Bon, ok, on va dire que, hein, on n'a rien vu. Mais non, mais te mets pas en truc. Mets-toi en tenue de pyjama. Puis voilà. Bon, les gens, on va se laisser là. Bisous, bye. Mais les gens, avant de vous quitter, comme je vous avais promis, j'allais vous montrer les tenues ben, de Ciara dans le CUS. Donc, nous avons la première tenue quotidienne de Ciara. Nous avons ici la deuxième. Ici, nous avons la troisième tenue quotidienne. Ici, nous avons la première tenue habillée de Ciara. Ici, nous avons sa deuxième tenue habillée, un peu plus chill, voilà, tranquillou bilou. Ici, nous avons sa première tenue de sport. Ici, nous avons la deuxième que vous avez vu dans le machinima. Ensuite, ici, nous avons la troisième tenue de Ciara. Ici, nous avons sa première tenue de pyjama. Ensuite, nous avons la deuxième qui est un peu plus... Olé olé. Ah, franchement, vous ne serez pas déçus de ce qui va arriver. Franchement, je pense que même vous serez choqués. Même moi, je rigole. Bref, ensuite, nous avons la troisième tenue qui est ça. Plutôt sexy, sans trop forcer. Et ici, nous avons la quatrième tenue qui est un peu plus, je peux dire, pudique. Voilà. Ensuite, juste ici, nous avons la première tenue de fête de Ciara. Ici, nous avons la deuxième tenue. Ciara, elle aime bien les robes. Hein. Franchement, elle aime bien les robes. Elle aime bien. Elle aime bien. Elle est coquette, elle est féminine. Ici, nous avons le premier maillot de bain qui est, attention, qui est... Oh mon Dieu, elle est trop belle. Elle est trop belle. Je la kiffe. Elle est trop belle. Elle est magnifique. Magnifique. Franchement, regardez-moi ce body, quoi. Avec son petit piercing au nombril et tout. Nous avons la deuxième tenue de maillot de bain qui est, voilà, un peu plus sexy. Ensuite, ici, nous avons la tenue temps chaud. Nous avons la deuxième tenue qui est là. Et pour la tenue temps froid, la première tenue, c'est celle-ci que vous voyez. Et celle-ci. Et bien, voilà. Pour les autres, en fait, vous allez découvrir par vous-même. J'ai pas besoin de vous montrer. Bon, les gens, je pense que j'ai assez parlé. Nous nous retrouverons au prochain épisode qui sera peut-être dans une semaine. Enfin, je sais pas. Pour le moment, c'est les vacances, donc c'est un peu dur pour moi de tourner parce qu'il y a tous mes gosses à la maison. Donc, j'ai pas envie de vous tourner quelque chose où on entend des bruits de bébé, des cris, tout ça et tout et tout. Cet épisode touche maintenant à sa fin. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un gros pouce bleu, à commenter et à vous abonner parce que ça fait toujours super plaisir. Allez, trêve de blabla, je vous laisse au machinima de fin. Bisous, bisous, bye. Vu que tu voulais jouer à la meuf qui criait sur moi, prends-toi ça dans les dents, espèce de bitch.